Bonjour, Karine Mignot, donc je suis présidente de l'association de patinage artistique du Mont d'Or. Donc le club existe depuis 1962. On est à peu près 70 licenciés au sein de l'association et les patineurs viennent d'un petit peu partout autour de la vallée. Nos patineurs évoluent en compétition donc au niveau soit national soit régional. Et les prochaines compétitions du club, les patineurs vont se déplacer sur Lyon, Valence et également Blagnac. Quentin Hay, qui habite au Mont d'Or et qui est parti cette année en études à Valence, qui prépare actuellement les championnats de France de deuxième division. Bonjour, Sarah Kaidi, entraîneur au sein de l'association de patinage artistique mondorien. Nos enfants actuels s'entraînent 5 fois par semaine, donc le lundi, le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche, à la patinoire du Mont d'Or. Si vous voulez venir nous rejoindre ou essayer le patinage artistique, nous organisons une journée porte ouverte le samedi 1er février de 14h à 16h30, donc pour les enfants de moins de 10 ans, gratuitement, avec un petit goûter offert. Aujourd'hui, c'est notre répétition générale pour nos galas de cet hiver. Donc, on a 5 représentations. La première étant le lundi 23 décembre. On en a un deuxième le lundi 30 décembre. Ensuite, on passe au mois de février où on a le 20 février, le 27 février et le 5 mars. C'est un spectacle qui dure 1h30. Sur le thème des musiques de films. Les enfants sur la glace vous présentent des éléments techniques comme les sauts, les pirouettes, mais aussi des chorégraphies avec des mouvements en lien avec la musique. Action ! Répétition générale s'est très bien passée, les enfants sont prêts et ils seront prêts encore plus pour le mois de décembre pour les galas. Bien sûr, on vous attend très très nombreux, on a plus de 600 places dans les gradins pour vous, 5 représentations, donc vous pouvez venir avec plaisir voir tous les enfants s'amuser sur la glace.